Recoucou, je vais mettre un peu plus de lumière pour la caméra. Voilà. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, je suis à bout de fatigue, mais c'est pas grave. Je commence à aller mieux, donc je veux finir ce tuto. Alors, d'une, je ne suis toujours pas contente. Ça fait X jours que j'ai pas scrapé, mais je vous jure, je pensais sans arrêt à ces saletés de poignets. Et je ne sais pas si je vais les déchirer. Déchirer le papier, là, et le remettre. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais déchirer un peu de papier et le remettre après parce que ça ne me plaît pas, mais pas du tout. Voilà, donc je vais, je sais pas comment déchirer ces trucs mûches là. Putain, mais je les ai collés loin en fait. Beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais voilà, donc vous vous embêtez pas. Si vous aussi vous les avez mises et que vous n'êtes pas contente, vous faites comme vous pouvez. Et après, on va redécorer par-dessus pour cacher tout ça. Franchement, c'est du travail. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas du boulot d'artiste là, hein? Punaise, que c'est moche ce que je fais. J'aurais dû vous faire ça hors cam, pas vous faire perdre votre temps. Mais comme ça, vous voyez que c'est faisable. Mais alors, je les ai collés vachement loin. C'est compliqué. Quand même, ah voilà, ça y est. Je voudrais là enlever le papier un peu proprement pour pas qu'il se voie après quand je vais en coller un autre par-dessus. Mais voilà, c'est pas possible. C'est pas possible ces trucs mûches là. C'était trop épais, trop moche, trop mal situé. Si encore je les avais mises là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Ce que je voulais faire au départ aurait été joli, mais ça empêchait de rentrer la croppedalle dedans, donc c'était pas terrible non plus finalement au bout du compte. Je crois que je vais surtout arrêter la vidéo et faire ça au propre. Voilà, si je peux enlever un peu en haut, comme ça on verra pas du tout qu'il y a des rajouts. Ah non, mais je te jure, c'était tellement moche. Et là, il faudrait pas que j'abîme le devant, là. Donc, voilà, on va y aller très précautionneusement. Précautionneusement. Oh là là! Quand je vous dis que je suis fatiguée. Voilà, allez, je vais remettre du papier, là, pour tout reconsolider et rendre ça plus propre. Et je vais continuer de faire mes tiroirs. Et voilà. Et donc tout ça ne sert à rien.